Et yo tout le monde, c'est PokéPlays. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de Pokémon Version Noir Random. J'espère que vous allez bien, bah, ça va super. On n'est pas en compagnie d'Astuce Windows, simplement parce qu'il n'est pas là. Voilà. Donc la dernière fois on était rendu, mais vous inquiétez pas, il reviendra. La dernière fois on était rendu ici, hein, en pleine discussion avec Chiren. Donc bah écoutez, on va continuer hein, cette discussion. Et par ici, à côté de moi, je change de voix. Les acteurs sont rassemblés. La renaissance de Reshiram, le second dragon légendaire, il vous donne bien des soucis. Hélas, le galet blanc que vous cherchez ne se trouve pas en ces lieux. Je sais où il est au musée de Maillard, à l'arène, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, toutes mes félicitations, notre roi a jeté son dévolu sur vous. Si vous souhaitez un monde en compagnie des Pokémon, il faudra réussir à vous faire reconnaître par le second dragon légendaire et affronter en duel notre seigneur. Tâche bien malaisée s'il en est. En cas d'échec, la victoire de la Team Plasma retentirait et les Pokémon seraient libérés de leur cruel maître. Ah, ils veulent libérer les Pokémon. Ah, je pensais qu'ils voulaient les voler. Ah, ok, d'accord. Bah, alors tu peux les prendre. Non, je déconne. Les libérer, vous voulez séparer les Pokémon de leur dresseur. Vraiment. C'est en volant les Pokémon que vous accomplirez cette libération que vous chantez à tout bout de champ. Mais ne serait-ce pas ce bon maître Goya, dont le Pokémon partenaire décéda d'une bien affreuse maladie il y a des années, et qui, confiant la garde de la Ligue au Conseil 4, partit sur les routes du Nice pour y flâner à loisir. Un maître de cette trempe voudrait-il, que dis-je, pourrait-il protéger ce monde où les humains et Pokémon vivent ensemble? Notre roi sera capable d'impressionner le cœur des habitants du Nice bien mieux qu'un maître enchaînant ses Pokémon. Puis, à l'instar du héros qui fonda une Nice, accompagné de son Pokémon légendaire, il proclamera un ordre nouveau. La libération immédiate sans condition de tous les Pokémon. Et pour ce grand moment, notre palais et les légendaires Zekrom sont déjà prêts. Je perdrai pas. Je me battrai pour les dresseurs qui aiment leurs Pokémon. Pour les Pokémon qui croient leurs dresseurs. Notre roi n'éprouve aucun intérêt pour votre personne. Sa victoire est sur vous serait si naturelle et écrasante, juge-t-il. Et tu es venu exprès pour me déblatérer ça pour te payer ma tête? Bien sûr que non. Je n'ai été motivé que par bonté d'âme. Oui, ma bonté d'âme. Que notre bon maître ne se blesse pas inutilement. Même si je dois bien le confesser, lorsque les gens perdent espoir, cette lueur apeurée dans le regard que est un mais que je savoure comme il se doit. Portez-vous bien et que la paix soit avec vous. Ok, salut petit. Bon, allez. Où on pourra aller les gens du coup? Vokitson, ok. Ça va nous annoncer la suite de l'aventure, je pense. Lucas. Ah, ça marche enfin. Ah, Lucas, visite vite au musée de Maillard. Ok, c'est super trop urgent, d'accord. Ok, on y va tout de suite. Ok, donc on sait qu'il faut aller au musée de Maillard. Donc Goya, ils volent déjà. Je pense que Chiren aussi. Et Realtek vient de me dire que j'ai branché une prise jack. Hein, ok. Pourquoi pas, monsieur? Bon. Ok. Oula. Voilà. Bon. On va vite à Maillard, les gens, alors. Dans ce cas, c'est parti. Est-ce que j'ai un truc? Hop, merde, j'ai des mises à jour système. Bon, c'est pas grave, les gens. Allez, Maillard. Ah bah ils sont tous rassemblés. Bon, on y peint parce que c'est un peu inutile. Même beaucoup d'ailleurs. J'espère que Nalim va pas en faire des siennes parce que elle est tellement encrassée qu'on leur dit plante des fois. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je sais que c'est Nalim maintenant. Je pense décrasser tout ça d'ici pas très longtemps, les gens. D'ici pas très longtemps. Et j'ai eu le galet blanc. Voilà, c'était tout. Sympa la petite animation, j'aime bien. Il y en a plein encore qui me demandent c'est quoi mon micro, c'est quoi mon logiciel pour faire la capture et c'est quoi mon logiciel pour les miniatures. Je vais vous répondre. Mon micro est un Blue Yeti Studio. Un Blue Yeti, quoi, en gros, hein. Mon logiciel de capture, c'est Camtasia Studio Recorder 8. Mon logiciel de montage, c'est Camtasia Studio 8 qui va avec. Et mon logiciel pour faire les miniatures, les layouts et autres retouches photo, c'est Photoshop CS6. Voilà, tout simplement.
Je vais afficher la liste là juste où ça je peux l'afficher sur l'écran à la fin de la vidéo, je vais la mettre au pire. Je vais mettre ça à la fin de la vidéo, promis. Et comme on dit, chose promise, chose due. Je parle muet ? Non, c'est bon. Ok. Donc apparemment, bah là je pense qu'on peut se diriger vers Flocombe. Là j'ai un trou les gens, franchement j'ai un trou. Écoutez, je vais mettre sur pause, je vais regarder ce Pokébip, je vais pas vous cacher, et on va se retrouver tout de suite, à tout de suite. Ok c'est bon les gens, j'ai regardé Foil à Genuvia, hein, c'est bien ça. Donc on va se rediriger vers Flocombe. Hop, Flocombe qui se trouve ici, on vole, et c'est parti. Alors, oh pardon, pardon. Je disais donc que si vous entendez un vu, c'est ma mère qui passe aspirateur, voilà les gens. On va éviter les flaques d'eau parce qu'il y a des Pokémon sauvages dedans. Je dis ça en tant que connaisseur, je déconne. Ouais non, c'est pour vous dire, voilà, route 8. Hop, on va utiliser une repousse. Le repousse précédent est toujours actif. Ok, parfait. Hop, on va par là maintenant. Faut éviter absolument tout dresseur. Nickel. Le. Ok. De toute façon, les madames en parapluie, on peut les éviter. Hein. Hop, voilà. Le chemin est. Le. Oh non, pas un combat encore. Attends, hop, je vais fermer Google Chrome. Ça fait des tâches en moins. Voilà. Ok, bah, combat. Ok. Ok, Bianca. Donc, on se combat contre Marilyn. Ok, d'accord. Et donc, qui va-t-elle envoyer? On va voir ça tout de suite. Un écaillon. Ok, tout va bien. Un écaillon. Mais pourquoi pas, Bianca? Moi, j'ai envie de te dire, Bianca, pourquoi pas? Moi, j'envoie mon Orfeu. Premier combat. Hein. Oh putain, je suis mal en point là. Regardez ça. Voilà. Je suis retourné au centre Pokémon de Flocon. Je suis désolé, les gens, mais je vais retourner là. Vol magnétique. Ah, je vais y retourner là. Ouais, ouais, franchement, là, il faut retourner. Ouais, là, c'est franchement nécessaire. Hein. Bon, on va quand même essayer de battre ces 4 Pokémon. Un Donphan. Pourquoi pas. Ok. Un Pokémon assez imposant, il a fouille, d'accord. Donc, il a détecté mon 9 chances. Oh, ça fait pas mal. Hein. Sport coton. Ah, j'ai cru qu'il m'avait fait parasport. Ouais, là on est un peu dans le caca. Hein. Oh, il perd pas beaucoup de PV. Ok, on va accélérer le combat. Il perd vraiment pas beaucoup de PV. On va partir sur des coupes, j'ai pas envie de prendre tous mes cruels. Oh, pas mal. Pas mal, Orfeu, pas mal. Hop. Bon. Oh non, sérieusement là. Mais tu fais chier. Ah, de toute façon, j'ai 2 coups, donc tu veux... Ok. What? Allez, arrête le monsieur, là. Il fait trempe, il a trempé le donphan, en tout cas. Là. Mais non! Mais sérieusement! Eh, là, il y a un problème, les gens. J'en ai marre. Autant vous le dire, j'en ai marre, ce donphan. Et vas-y, il a pas droit à plus de 2 hyper potions. Dans le random, c'est moi qui ai décidé, de toute façon... Allez, meurs maintenant. Meurs, 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 meurs. Voilà. Wow, enfin, il reste 62 PV Orfeu, ce qui est pas négligeable. Batrachné, bon. Allez, on va laisser le même Pokémon. On va partir sur une cruelle. Hein. Sport. Sérieux. Le mec, il me paralyse, quoi. Mais non, mais t'arrêtes ça, toi. Ah non, il m'endort. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Moi, j'ai envie de vous dire. Mais non. Oh, yeah. Pas efficace, mais il perd quand même pas masse PV quand même. Le sport, non mais sérieux là. Allez, réveille-toi. Le mec me prend des PV quoi. T'arrêtes ça. Mais t'arrêtes. Arrête monsieur. Ça va pas aller. Ok. On va partir sur une petite coupe. Oh non, arrête avec tes sports à la con là. Il me reste 27 PV. Oh là là. Mais je perds 20. Ok, je perds 2 PV à chaque fois. Giga. Oh non.
Oh non. Oh, il a pas fait ça, fils de pute. Sale fils de pute. Ok, bon, on va partir sur un centre Pokémon, les gens. Là, j'en ai marre. Franchement. Il m'endort le Pokémon, mais arrête ça. Méga corne. Voilà, c'est bien Latios. Et niveau 32. Un Magirève. Oh là. Déjà 10 minutes. On fera pas l'arène dans cet épisode, hein, je vous le dis tout de suite. Super efficace. Ok, Rugis. Bon, voilà, on va partir. Oh putain, il perd rien, mais. Il faudrait que j'attaque en spécial. On va partir sur un point glace, tiens. Oh bah, hey, tant qu'à faire. Ok, nickel, parfait. Presque au niveau 33. Ah bah c'est bon, on a battu son équipe. Une guérison. Bah merci Bianca, merci. Franchement, je t'aime. Non, je déconne. Bon, arrête de pleurer maintenant. Je déconne. Ah là là, mon Pokémon chéri d'amour. Allez, voilà, ça va être pareil dans le Pokémon Noir 2 qui n'est pas mon prochain let's play. Allez, dégage. C'est bon? Bon. Une équipe plutôt mal en point. On va partir sur Flocombe pour soigner le Pokémon. Et après, on retourne sur la route 8. J'aime bien l'effet des plumes comme ça qui partent. Ça fait stylé. Ouais, franchement, ça fait bien stylé. Allez, c'est parti. Allez. Quel est mon émulateur aussi, on m'a demandé. C'est Deathloop 0.9.10 64 bits. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas la version 32 bits? Parce que j'ai un ordi 64 bits et que mon ordi est assez puissant pour faire tourner du jeu en 64 bits. Et on est en hiver dans le jeu, voilà. Oh! Oh, stylé! Dire, on rentre, on est en été, on ressort, on est en hiver, c'est bien stylé. Allez. Est-ce qu'on a bien refait en première position? C'est parfait, il est en première position. Allez, c'est parti, on repart sur les chemins ardents. Ah, du coup, là, ah, ça s'est transformé en glace, merde. Ah, merde, j'aime pas trop ça. Ok, 10 pouces. C'était plus facile quand il n'y avait pas la glace. Allez, monsieur. Ah mais c'est de la triche. Moi je le dis, c'est la triche. Et voilà, boum. On va faire ça. Ah voilà, ok. Y est compris. Ok, voilà, comme ça. Voilà. Ok, bon. On arrive à lévitationner quand même, hein. C'est assez pas mal. Hop là, et voilà, on a réussi. Et on ne dit pas lévitationner, monsieur Lucas. Oh, stylé l'effet. Le pont l'a connu, non? Non, pont ferroviaire, allez. Et je vous dis déjà qu'on rentre contre le trio des ombres. Oh, il est stylé ce pont. On va rencontrer, là au fond, Nagetis. Et le trio des ombres va arriver. On voit les voitures et les camions qui passent. Ah, c'est le train qui passe en dessous. Oh. On s'y attendait pas, hein. Je suis favorablement impressionné. Obtenir le galet blanc n'était pas une tâche aisée. De vives félicitations sont donc de rigueur. Figure-toi que notre bon seigneur N est taraudé par une étrange idée. Il veut que les deux possesseurs des dragons légendaires s'affrontent. Pour déterminer lequel est le véritable héros. Quelle ineptie. Alors qu'il a blablabla, voilà, on s'en fout. Finalement, ça devient un peu chiant de lire les textes, franchement. Tu pars, monsieur? Eh, les trios des ondes, vous partez. Voilà. Changeons de musique? Je préfère. Hop. Hop, petit effet de caméra. Et on ressort de l'autre côté sur la route, je pense, 9. Ah, mais il y a déjà un monsieur qui va m'interpeller. Boum, danse folle. La cité de dégommage. Donc on va regarder comme si c'est la route 9.
Route 9, parfait, nickel. On va éviter le petit motard. Le gentil monsieur. Oui, on a évité. Ok, on arrive à Janusia. N'est-ce pas? Ah oui, on arrive dans la version moderne, parce que dans la vraie, c'est la... C'est moche. Ah non, la team plasma est arrivée à Janusia. Ok. Ok. Oh, le rassemblement de dingue. Ah ouais, d'accord. Oh, le bâtard. Je vais spammer la touche A de mon clavier, blablabla. J'aime pas la team plasma, ils sont énervants. Moi, j'appuie sur la touche Z. Ça fait quoi la touche Z? Oh, c'est rien. J'ai même pas programmé cette touche-là. De toute façon, elle me sert à rien. J'ai tourné les 6 premiers épisodes de Mario Kart DS parce que le let's play sur Pokémon Orge, il dégage. Parce que j'ai problème de RAM. Voilà, je vous l'avance. Let's play sur Mario Kart. Les Sims 4 aussi vont reprendre. J'ai le posté que le premier épisode. Mais oui, parce qu'en fait, je vais avoir une nouvelle config. Oui, les gens. Et du coup, je pense que le jeu va tourner quand même un peu mieux. On verra ça de toute façon à Noël, hein. Je pense qu'on va se quitter après ce dialogue. Quoique, hein, quoique on peut... Ok. Ah mais madame, j'ai pas envie. Voilà, bon, on va se retrouver dans le prochain épisode, ici, hein, les gens. J'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'en suis Twitter, sur Google, puis visiter les sites internet, vous abonner à tous les trucs d'Asus Windows, et puis, bah, en attendant, moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et puis, bye tout le monde.